Ok, thank you. Je vais faire une présentation en français. Donc, j'espère que vous avez les casques pour pouvoir suivre cette présentation. Donc là, eh bien, c'est les activités du laboratoire donc en 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en 2022? On a participé donc à l'élaboration de des recommandations de surveillance avec le groupe EPI, donc recommandations de surveillance, et avec une partie très spécifique laboratoire qui concernait ce qu'on a appelé la testing stratégie, donc stratégie de test, quand tester, comment, où, à quel rythme, en fait, faut-il tester pour le choléra, en utilisant les outils donc, qu'on avait à disposition, c'est-à-dire en particulier la PCR, la culture, les tests de diagnostic rapide. Nous avons également participé donc, à des recommandations pour la surveillance environnementale. Ceci a été fait avec le groupe WASH. Et donc, des recommandations sur la surveillance environnementale ont été publiées sur le site de la GTFC6. Ces recommandations, très brièvement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ne mettent pas en avant, en tout cas, la nécessité de tester le vibrion cholérique dans l'environnement, ni pour des prédictions d'épidémie, ni même pour un suivi d'épidémie. Les autres outils sur lesquels le Lab Working Group a travaillé, eh bien, ce sont des outils très techniques, en fait, qui sont ce qu'on appelle JobEd, et donc des outils en particulier ont été développés pour la culture du vibrion cholérique, et des fact sheets. Les fact sheets, ce sont a priori les points extrêmement importants à souligner ben justement dans la mise en place de cette culture, donc les points critiques. Ces documents sont tous en ligne sur le site de la GTFCC et a priori sont en anglais et en français. Et donc, il y a un lien spécifique du GTFCC, donc sur le document de laboratoire qui va vous permettre d'accéder à ces guides et ces outils. Donc, les projets pour l'année prochaine, donc, enfin cette année d'ailleurs, 2023, eh bien, nous allons continuer à développer des recommandations, en particulier des recommandations pour la PCR, et puis définir aussi des standards minimums pour les capacités de laboratoire, puisqu'il y a un projet d'évaluation des capacités de laboratoire au niveau des pays, et pour cela, il faut effectivement définir des standards. Nous allons continuer donc à développer des outils, en fait, en particulier pour la collecte des échantillons, avec des formulaires d'accompagnement sur ces outils. Je ne rentrerai pas trop dans les détails. De nouvelles activités, donc justement, qui vont être de mettre en place cette enquête de surveillance, enfin de connaissance, en tout cas, des capacités des laboratoires. Également, donc, de développer des cibles, en fait, à atteindre pour le diagnostic moléculaire. Et puis, également, des évaluations indépendantes peut-être à mener pour l'utilisation des kits de PCR. Alors, ce sont beaucoup de projets, on va dire, c'est assez ambitieux. En 2022, on avait aussi une feuille de route très ambitieuse qu'on n'a pas tenue. Mais en fait, on ne l'a pas tenue parce que l'élaboration des recommandations de surveillance sont passées en priorité du fait du contexte choléra mondial. Donc, c'est pour cette raison. Donc, on reprend certains de ces thèmes dans nos priorités 2023. Simplement, ce qui est à souligner quand même, c'est qu'on a des ressources qui ont été spécifiques, enfin qui ont été dédiées pour des projets spécifiques, des financements et des financements aussi pour des consultants. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Et puis, je vais dire ce qu'a dit un petit peu Raoul tout à l'heure, en fait. Hein, on fait aussi appel à des volontaires, bien sûr, pour nous aider à développer ces documents. Et puis, certaines activités ne seront pas menées directement par le Lab Working Group, mais par des partenaires qui consulteront le Lab Working Group. Voilà. Donc, en fait, ce que l'on souhaite, eh bien, c'est continuer à renforcer à la fois les capacités de surveillance et les capacités des laboratoires dans les pays. Et puis, donc, ce qui a été présenté, en fait, à la diapositive précédente, j'insiste effectivement sur la nécessité d'avoir le support des membres du Lab Working Group. Vraiment, on est un groupe peut-être un peu petit. Donc, c'est vrai que c'est important que les gens s'impliquent. Alors après, je suis bien placée pour savoir que c'est extrêmement chronophage de s'impliquer là-dedans. Et on peut demander aussi à nos institutions, éventuellement, eh bien, de nous donner un soutien, en fait, pour passer un peu plus de temps, pour pouvoir s'impliquer dans les activités de la GTFCC. Et voilà, donc un peu de reconnaissance de ce travail serait peut-être aidant pour les membres du Lab Working Group.
On demande aussi, on a besoin aussi de l'engagement des pays, hein, bien entendu, en particulier pour cette activité de Lab Capacity Assessment, je ne trouve pas le mot en français, excusez-moi. parce que c'est extrêmement important, en effet, d'avoir une vision réelle en fait, des capacités de laboratoire dans les pays. Et c'est quelque chose d'important pour nous, pour nous aider à mieux identifier bien, les axes de progrès et les besoins et les demandes. Et puis, on a eu cette année, assez agréablement, très agréablement même, des contacts directs avec les laboratoires, par différents moyens, en fait, qui sont. Et c'est vrai que c'était très agréable pour nous d'échanger directement avec les laboratoires et de leur donner des conseils, de répondre à leurs questions. Donc, on s'est senti très aidant, finalement, enfin, très impliqué là-dessus. Et donc, c'est une démarche qu'on apprécie et qu'on encourage. Voilà. Et puis c'est tout. Merci beaucoup.